Bienvenue sur Wokou Kamedi. Maintenant, je vais vous parler de retour d'affection. Comme vous pouvez déjà le constater, le retour d'affection, le rituel de retour d'affection se fait en 7 jours. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le rituel de retour d'affection se fait en 7 jours. Si l'âme de la personne est faible, je suis ouvert, j'explique tout. Parce que je ne peux pas dire, il y a retour d'affection, tu vas venir et je ne vais rien t'expliquer. Il faut que tu comprennes d'abord comment ça se passe. Si l'âme de la personne est faible, je finis mon travail en 7 jours. Et c'est ce que tu le dis qui va se passer. Si tu le dis de s'asseoir là, il va s'asseoir là. Mais si l'âme de la personne est forte, le travail se fera en 14 jours. Des fois, on y va jusqu'à 21 jours. Parce qu'il y a des gens, leur âme est très forte. Mais quoi qu'en soit la situation, la personne peut être même pasteur. En 21 jours, je dois régler son compte. C'est comme ça, moi, mon travail ici. Vous allez constater qu'il y a deux personnes devant moi. C'est comme ça et j'explique tout en même temps. Maintenant, tu ne peux pas venir chez moi pour un problème de retour d'affection. La première question que je te pose, est-ce que tu veux marier la personne? Est-ce que tu l'aimes vraiment pour la marier? Parce que si jamais je vous mets ensemble, c'est fini. Vous êtes inséparables. Parce que deux cœurs qui s'aiment là, quoi qu'en soit la situation, quoi qu'en soit les problèmes qui viennent, ils arrivent toujours à surmonter. Vous comprenez ce que je dis? Donc si la personne vient chez moi pour un retour d'affection, la première question que je pose est quoi? Est-ce que tu veux la marier? Est-ce que tu ne veux pas t'abuser d'elle et la laisser? Parce qu'une fois que je vous mets ensemble ici, c'est fini. La personne n'ira plus nulle part. Il va rester à côté de toi jusqu'à ta mort. C'est comme ça se passe chez moi.